Et yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Cliff Empire. On s'est arrêté sur une stabilisation précaire. Ah oui, il fallait désactiver et réactiver plein de fois ce bâtiment. 50 de crypto-monnaie, wow. Améliorer l'esthétique, ah oui. Bah écoute, avant l'esthétique, passe tout ce qui est important. On est bon dans la majorité des... Ah oui, c'est ça, ça me revient. J'avais prévu de faire 3 usines d'impression 3D. 3 supplémentaires, tant pour moi. Qui devait avoir chacune sa spécialisation. Voilà, c'est bien cette vitesse. Ratio de main d'œuvre, disponibilité, on n'est pas ouf hein, au niveau santé. Hein. On n'est pas ouf du tout, donc je vais faire une... Institut de médecine. Ça a même donné de l'éducation. Faire un institut de médecine, ça donnera même de l'éducation. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon. Je crois que c'est demandé à un endroit d'éducation, l'accès à l'éducation. Donc dans tous les cas, ça servira, ça me créera un peu d'emploi. Ça tombe bien, j'ai un peu de chômage. Ça coûte combien la construction 14? Oui, ça va, j'ai ce qu'il faut. Et on peut voir que malgré mes drones, ça galère un peu. Hein, au niveau de la manutention. Voilà. Je voulais aussi voir ici. J'ai de quoi faire des champs. Là. Bon, ça c'est fait. Travailleurs. 20 travailleurs? Ah oui. Oui, c'est plus que ce que je pensais. Ouais. Après, ça m'apporte un bon boost en santé, un bon boost en éducation. C'est pas mal. Je vais avoir besoin de nouveaux champs supplémentaires, donc on va faire... Honnêtement, je sais pas du tout si... J'aimerais bien voir la production de ce truc-là. L'influence de la falaise, j'ai toujours pas, ça c'est dommage. Bon, c'est pas grave, on va faire des champs en plein air. Hop, 1. Ah, c'est pareil, à chaque fois je vais faire le décalage. Dommage, dommage. En même temps, j'ai l'impression que ça rentre à moitié dans le mur. Non, d'accord. Ah, j'ai cliqué et le temps que ça prenne en compte, j'ai bougé ma souris. Oh, ok. Ouais, j'ai fait 3 petits champs supplémentaires qui vont m'augmenter ma production de nourriture parce que je vais devoir accueillir plus de résidents. Et il me demande de l'esthétisme. Alors, oui, mais t'es drôle toi. 192 emplois, j'ai du manque, j'ai un grand manque d'emplois. Donc on va faire de nouveau un complexe résidentiel. Ah oh, ça coûte une blinde. Yeah. Ça coûte une blinde ce truc. Bon heureusement la construction elle est plus rapide. Plateforme de trade qui arrive. Qu'est-ce qu'on va lui vendre? Qu'est-ce qu'on lui vend? De la salade, de l'eau, de l'uranium, du poisson. Principalement de ça. De toute façon, on n'a pas grand-chose d'autre. Ok, la maison est faite. Enfin, le complexe résidentiel, tant pour moi.
train de voir si j'ai pas trop en stock de choses en stock. Non, ça a l'air bon. La production d'eau là-bas, elle est importante. Hein. Ce problème, c'est que je suis obligé de faire des allers-retours pour aller chercher la flotte. Pourquoi je faisais ça? Je sais plus. On va améliorer l'esthétisme de la ville, on va faire un parc. Et ça va même me redonner de l'écologie, ce parc. C'est bien ça. Faut juste de l'eau et un peu de métal. Oui, c'est un parc en métal, c'est très pratique. Voilà. Ce qui fait que ça améliore l'esthétisme et l'écologie. L'écologie qui va nous faire augmenter aussi notre santé. Là, c'est pas magnifique. Rue piétonne, je sais pas à quoi ça sert. Esthétisme. Transports sociaux. Divertissement. Les rues donnent des divertissements. Et ça, c'est esthétique, ça? C'est moche? Pardon. Je me suis peut-être un petit peu... Alors ça, c'est un peu cher. Petit jardin, petit parc, petit jardin. C'est que de l'esthétisme, c'est nul. Ça m'embêterait de mettre un petit parc là. Écologie, esthétisme. Allez, on va mettre ça là. Un mini parc ici. Voilà. Comme ça, j'ai l'esthétisme nécessaire. Ajouter. Ah voilà, construire une mairie. Enfin, les bâtiments utiles. Où est-ce que c'est une mairie? Voilà, où c'est gros. La mairie, je vais la foutre. Non, je vais pas la foutre là, faut pas déconner. La mairie, je vais la foutre là-bas. Pas besoin qu'elle soit très proche. Au contraire. Elle n'est pas spécialement utile. Ça coûte cher. En crypto, le reste, bon. Chômeur, 32. Attends, la mairie, ça va en embaucher. Hein. Enfin, je suppose. Ouais, 10 travailleurs à la mairie. Objectif complété. Parfait. Alors, on va installer des gens sur la deuxième falaise. Déjà, je veux voir des choses. C'est pour la gestion rapide d'industrie. Ça, c'est quoi ça? Ah, c'est pour la vente de drones. Ok, on s'en fiche. Et j'ai toujours pas d'infos sur ma falaise. Zut. Bon, il me demande d'ouvrir une deuxième falaise. Enfin, d'ouvrir. De construire plutôt une deuxième falaise. Je vais déjà équilibrer un peu celle-là. Non. Je vais industrie. Faire des usines d'impression 3D. Pourquoi il y a ça là? Pourquoi il y a un truc dessus? Large construction completed. Ah, il y a un clic, c'est off. Par contre, je vois pas du tout pourquoi j'ai un truc comme ça. Pas bien grave. J'ai combien de travailleurs? 8. On va en faire 2 de plus.
une ici. Large construction completed. Et pour terminer la dernière ici. Ils veulent ouais. Trading platform arrived. Large construction completed. Voilà, faisons du trade. On en vend du poisson, regardez tout le poisson qu'on vend là. On est bien sur le reste. Ok, est-ce que tout, non, tout n'est pas construit ici? Oui. Allez, est venu le temps de changer nos constructions. Hop, ici ça va être du moteur, moins, moins, plus, voilà. Donc moteur, mobilier, meubles, non, électroménager, meubles et gadgets. Voilà, les unités d'impression vont être spécialisées dans, dans chacune un élément. Par contre, les moteurs, ça n'a pas de bonus de production, ça. Emploi 226, on a 224 personnes, c'est parfait. On va voir ma consommation, elle est bien. Elle est bien, elle est bien, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Bien. Ouh, limite. Les fruits, c'est limite. Donc, je vais en rajouter un. Je vais rajouter de la production de fruits, donc je vais rajouter un verger. Avant de ne plus être bon. Installer 35 personnes sur votre deuxième falaise. Ça va attendre un moment. Large construction completed. Voilà, au niveau de la conso d'eau, ça l'a peu augmenté, mais encore plus que ça paraît. J'aimerais aussi, enfin, me débarrasser de toutes ces éoliennes. J'en peux plus de ces éoliennes. Regardez la place que ça prend. Donc, on va faire radical, on va faire une centrale nucléaire. Ça va défoncer mon écologie, mais... ça me fait gagner un peu plus de place parce que là toutes les éoliennes là c'est bien, ça fait des travailleurs machin, on est bien, mais 1 2 3 4 5 6 7 7 parcs éoliennes et 2 parcs solaires, on verra pour modifier plus tard. J'ai pas l'argent, ouais, on va attendre. Oh, regardez, ils sont tous posés. Les drones sont tous posés. C'est une bonne nouvelle. Bon, ils y étaient du moins. Ça veut dire qu'ils qu'ils avaient tous... et au C-plein là-bas, ah oui, mais... je crois que c'est là aussi où c'est plein, non. Il doit être plein dans l'entrepôt, ouais. Allez, ils vendent et tout, les mecs. Tiens. Ah, j'ai vendu même quelques moteurs. C'est bien, ça. 4 le moteur. Voilà. Terriblement peu cher. J'ai beaucoup plus d'emplois. Je vais améliorer mes logements. Ouais, c'est un manque d'emploi ici. Écologie moins 17. Blah. Ça me rajoute de l'écologie, ça même pas. C'est honteux. Bon, au moins, ce que ça fait, c'est que j'ai une énorme puissance de charge. Ça me permet de me faire pas mal de batteries.
va essayer d'équilibrer les derniers trucs. Hôpital, santé, ouais, c'est purement la santé. Ça, c'est éducation. Centre de recherche. New citizens arrived. Éducation plus 12%. Oh! Vache. Pas mal ça. Pourcentage sur l'augmentation de l'éducation, c'est toujours bon. Bon, on est bien en ration main d'œuvre. J'ai un seul poste non pourvu. Ça ne doit pas durer, assurez-vous, hélas. Bon, celui-là, hop, on va le détruire. Pour l'instant, ça va vendre si plus de 0. Je me fiche totalement des débris. Vous voyez des débris les mecs? Vous en envoyez, y a pas de problème. Hein. Ah, mais alors là, la pelle. Là, on va devoir, on va avoir besoin d'une nouvelle maison. Résidence. Pardon. De nouveaux champs, surtout. J'ai l'impression qu'ils produisent vraiment pas. Et je voudrais vraiment voir c'est quoi ça. Non, mais c'est où les statistiques Ça, je voudrais voir l'influence de la falaise. Je vais m'essayer à faire un champ sous serre. On va voir la différence. Ça se trouve, c'est vraiment ici où la production n'arrive pas à suivre. Par contre, je vais la mettre en priorité, s'il vous plaît. Donc, j'ai encore assez de grains. Là, j'ai 23 en production. 36. Ah ouais. Là, j'ai fait plus 13. Alors que là j'avais 23 avec 1, 2, 3, 4 entiers. Ah ouais, ouais, non mais d'accord. Ma falaise n'est pas du tout adaptée à l'agriculture apparemment. Mais alors pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Pas grave, je vais refaire des champs sous serre un peu partout à la place et ça devrait produire mieux en ayant moins... En prenant moins de place. Ah, je produis pas assez d'uranium. Ah, c'est ballot ça. Faudrait pas que je tombe en rate d'électricité. Pourquoi elle est pas alimentée elle? Bah bravo. Je consomme des batteries pour rien là, parce que ils veulent pas alimenter ma centrale. Ouais, ça a du mal à tourner. Là, ils disent non, non, et pourtant j'en ai un, là j'en ai un. C'est pas le problème. Là, je suis sur batterie, c'est pas bon. Ça y est, enfin, ils se sont dit, allez, ça peut être intéressant. Allez, si on installait de nouveaux arrivants. Installons de nouveaux arrivants de l'autre côté. Alors, où est-ce que c'est? J'ai pas déjà galéré à trouver la dernière fois où est-ce que c'était. Oh merde. Plateforme d'atterrissage.
Allez, on va placer ça, on va placer ça, on va placer ça. Voilà. Je sais pas trop où la placer celle-là. Hein, je peux la placer. Comment ça, je peux la placer là? Hein? Ça a pas de logique. Je ne comprends pas la logique. C'est pas grave, je crois. On va le mettre là, hein. Ça a l'air d'être un bon emplacement. Ah mais oui, si, alors... Il me faut avant tout... un entrepôt que je vais centrer à peu près hein, comme avant. Large construction completed. Arrivée 2. On va faire, si je me trompe pas, une résidence moyenne ici. Il faut de la flotte et de la bouffe. C'est quoi la différence de prix entre ces... Ah oui. On a quand même une légère différence de prix quand même de la flotte. Et de la bouffe. Que je vais mettre traditionnellement ici. Ah. Ok. On va pouvoir avoir les premiers péons également de l'autre côté. Nos gentils péons. La côte paisible est un petit peu plus riche pour l'instant. Ça va pas durer. Medium construction completed. Après l'arrivée des premiers citoyens. Medium construction completed. On a de la nourriture. Large construction completed. Je sais qu'il faut faire des trucs, mais je ne sais plus quoi. Maintenance. Il faut faire un centre de maintenance. Ça me revient, ça. Non! Ah, ça c'est moche. Hein. Chaque fois. On va faire un petit extracteur également, une mine de matière. Dans tous les cas, j'en aurai besoin. Hein, donc. Plus vite elle est faite, mieux ce sera. Ah bah d'électricité aussi, surtout. Ah oui, mais c'est ça. Encore ces foutues éoliennes. Je vais mettre en priorité. Hein. Parce que le mouche consomme de la batterie, c'est pas... Ah, ouf, ouf, quoi. Large construction completed. Oh, le vent, il est bon ici, 40. Ah, il y a une bonne production, hein. Ah, on est au max. Ah, ici, je peux vous dire, il y a un bon vent. Là, ça va être la produit à l'éolienne, hein. Là-bas. Pas trop, mais ici, ça va être vraiment une bonne prod d'éolien. Large construction completed. Trading platform arrived. Extraction de matière à fond. Plus de logements SVP.
Installez 35 personnes sur votre deuxième falaise. 15 sur 30. Alors je... J'ai un peu du mal. Alors soit je louche, soit j'ai du mal à lire. Soit petit problème. C'est bien. Relier les falaises avec un pont. Mais y a pas besoin. Enfin je vais... Enfin, pourquoi je ferais un pont alors qu'elles sont totalement liées quoi, avec une route, ok je veux bien. Ça va moi, faire une route là. Elles sont où les routes? Elles sont là. Regarde, moi je mets une route comme ça, elle est où là? Je vous mets une route là, il n'y a pas de problème. Ça marche mieux qu'un pont hein. Bon, je suis pas sûr qu'en vrai... Oh non, ça a pris le... Oh non, c'est pas vrai. Tiny construction completed. Bon, non, on va les détruire. Ça a pas marché, on est d'accord, oui. Parce qu'ils veulent un pont pour faire du commerce, et gnagnagna. Je te jure. Alors, oui, et puis maintenant que j'ai commencé à développer cette ville, il faut que je continue. La bouffe, on est bien, donc on va leur faire de la... Le reste en nourriture, un port, etc. Port, verger, vignoble, ferme de salade. Verger, ferme à salade. Vignoble. Voilà, au moins il y aura ce qu'il faut en bouffe. Ça devrait tourner tranquillou. Non, ça devrait pas tourner tranquillou parce que je vais manquer d'habitation. Et là, je serai obligé de prendre un vrai complexe. Ouais, si. Heureusement que j'ai déjà un peu de production. Ouais, l'électricité, ça fait du bien par contre. Hein. Deux parcs éoliennes, 80. Là, avec tous mes parcs éoliennes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai 123. Oh, ouais, une vingtaine, 21 par, en moyenne par éolienne. C'est le double, quoi, ce que j'ai sur la côte paisible, ça fait plaisir. Alors, voyons voir. La salade, c'est... C'est pas fou, mais j'ai ce qu'il faut. Quoi. Je vais essayer de construire autre chose. Je vais voir pour développer mes technologies. Centre de recherche. Au moins, l'éducation sera bien. 70 emplois. Alors, on va se calmer. On va se calmer. Voyons voir. Une université. Bon, on va construire une université déjà. Esthétique, éducation. Beaucoup d'emplois aussi. Hein. Oh là. Haute esthétique, on va la foutre cette université. On va la foutre là. Hein. Puis on va pas avoir le choix que de rajouter encore des complexes résidentiels. Ici elle a carrément augmenté. Dès que la récolte sera faite. Ah ok oui c'est là. Là on remonte un niveau fond. Plutôt cool. La construction va se faire tranquillou. Même si bon là les fonds vont reprendre un coup. Forcément avec la construction de bâtiments. Donc on a l'université, on a débloqué des améliorations générales et sociales, des améliorations énergétiques, des améliorations industrielles et de l'industrie lourde. Alimentaire et de l'industrie lourde. Alors moi il y a un truc que je veux là-dedans.
Voilà, ce sont ça, les drones de manutention. Ça va tellement permettre de mieux juguler les... Pardon, je la refais. Ça va me permettre de clairement avoir moins... Non, c'est... Voilà, une meilleure... augmenter la capacité de transport. Oh, j'ai galéré. J'ai vraiment galéré pour prendre le... contre les emplois. Je vais, hop, détruire ça. Je vais détruire ça. Non, pas de suite. Détruire ces deux-là. Et malgré ça, je suis encore correct en grain. Bon, je vais en rajouter un en vrai. Parce qu'il faut pas déconner. Hop, tiens, je le mets en priorité 1, je veux vider tout ça. Parce que sinon je vais avoir quelques petits problèmes de production. Voilà, la production là ça n'a rien à voir. Comment ça plus 20? La plus 16. Ah, il y a des trucs chelous quand même. Voilà. Nourriture. Voilà, on fait ça. Pareil, on remet en priorité une. Et je vais pouvoir casser le reste. Toutes ces petits, là, tous les petits trucs comme ça. Voilà. Bon, la capacité médicale est pas folle. Hein. Nouveau citoyen qui arrive, oh, on est bien en prenant. Ah, les gadgets, par contre, ça consomme. Hein. Ah, vivement l'amélioration. Trading platform arrived. New citizens arrived. Hop, allez. Attends, mais pourquoi ça n'a pas marché? Ah ouais. Ça peut détruire. Et priorité 1. New citizens arrived. J'ai l'arrivée là de nouveaux citoyens, là c'est bien. Et ouais, regardez-moi ça, là, à chaque fois je... Chaque fois ton rad, c'est terrible. Heureusement j'ai un peu de stock, mais ça à détruire. Là on va attendre qu'il récupère. Voilà, détruire. Ça pareil, on va attendre qu'il récupère. Celui-là à détruire. Et je crois que je suis encore bon, hein. Ah, pas du tout. Oh, pas du tout. Pas du tout du tout. Pas grave, on va refaire des champs ici. Il y a trop de débris ici, ouais c'est ça. Il y a trop de débris. Pas grave, on va les vendre petit à petit, ça va se débarrasser. Ah ici c'est bon, allez hop, putain. Construisez-moi ça s'il vous plaît les mecs. C'est bien d'aller chercher le poisson, mais... On va connaître un peu les priorités, quoi. Voilà. Qui fait que là, au niveau de la nourriture, on est bon... Et on est bon dans la majorité des choses, hein. Ici, là, c'est bon. Ah non, c'est vrai qu'on n'est pas bon là-dedans. Ah, on verra, on verra. Des jolis bancs de poissons, là. On a du chômeur, hein. Oh la vache. 40 chômage. Restons positifs dans les charges sociales, mais... Bon. Et si on faisait augmenter un peu la santé en même temps, parce que... Institut de recherche, hôpital, pharmacie... Voilà.
Éducation, on est bien, et je ferai une école, donc partir sur un hôpital. L'hôpital ici, hop. Juste à côté de la centrale. Impeccable, non? Comment ça? Je vois pas pourquoi. Au contraire, on est plus près s'il y a un souci. Qu'est-ce qu'elles ont les poches de sang? Comment ça, ça a muté? Moi, j'ai rien vu. Oh purée. C'est vrai que j'ai pas de divertissement. Ah, j'ai pas de vin? Comment ça, j'ai pas de vin? Non, c'est pas ça que je fais. Je produis pas de vin. Bah si, j'en produis du vin, regardez. Ah, mais j'ai peut-être pas d'endroit où je le vends, le vin. C'est vrai qu'on pourrait faire un... centre de divertissement. Un sanatorium. Ouf. Trading platform arrived. Ouf. 50 emplois. C'est quoi ça? Ok, ça augmente les... ouais. Ah! Et quelques soucis d'eau sur la côte paisible? Comment ça? Ah oui, oui, effectivement, quelques soucis d'eau. Attendez! Excusez-moi les gars, je vous avais presque oublié en fait. Voilà, on va mettre à pomper hein, parce que... Oula, on va mettre là... non, non, pas trop loin, pas trop loin. Voilà. Et bah c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour l'épisode d'aujourd'hui. J'ai pas vu, on est déjà à 37 minutes. On aura ouvert notre deuxième ville qui est un peu branque-ballante parce que bah je regarde pas trop. Je vais être honnête, je regarde pas encore trop la deuxième ville. Notre première ville, donc côte nord, se développe plutôt pas mal. Hein. Vraiment, vraiment là, elle est en bonne voie. Et bah sur ce, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. C'était Tiob.